Hello la gang, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo que je fais à chaque année. Et là, on dirait qu'on va avoir une petite cocotte avec maman. Ouais! Maman, il faut qu'elle filme une vidéo, mon chien. Oui! Donc, c'est ça, je me suis installée comme un endroit différent. J'ai un peu mis tout partout là, mes cadeaux. Et dans le fond, vous l'aurez sûrement vu dans le titre. Mais je vais vous montrer ce que j'offre à mes proches, des idées cadeaux. Et puis, vous étiez plusieurs à m'avoir envoyé un message genre, de qu'est-ce que moi je veux pour Noël. Ma wishlist. Donc, j'ai tout le temps mille et une idées. Là. Donc, oh, tu sais, maman, c'est la bonne. Toi, tu veux quoi pour Noël, mon petit bébé? Tu veux savoir des bisous de maman? Oui, tu veux des bisous de maman? Mado, t'es collée. Donc, sans plus tarder la gang. Ok, Molly, faudrait que tu laisses maman. Donc, sans plus tarder la gang, je vais vous montrer ce que je fais à mes proches à Noël. J'ai pas tout ce que j'offre sur ma table présentement. Donc, je vais essayer de penser là, à ce qui me manque et tout ça. Et puis, comme à chaque année, je fais tout le temps un petit disclaimer. On dirait tout le monde qui fait ce genre de vidéo-là dit le même petit speech là, au début. Là, mais, tu sais, Noël, à la base, c'est pas pour les cadeaux. C'est juste, moi, j'ai tout le temps été dans une famille qui donnait tout plein de cadeaux. Puis, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aime donner dans mon quotidien. Mais je comprends que chaque personne donne qu'est-ce qu'il peut donner. Il y en a qui ne peuvent même pas rien donner. Puis en même temps, tu sais, Noël, c'est pas pour ça. Là. La magie de Noël, c'est passer du temps en famille. Ça peut être faire des petites choses. Genre, ça pourrait. Nous, on fait tout le temps des pâtisseries, là. Donc, je donne tout le temps aussi une boîte de pâtisserie. Ça peut être faire une belle carte à la main, faire quelque chose de spécial, tu sais, de significatif. Mais c'est ça. Donc, moi, c'est ce que je donne cette année. Mon chien, il n'y a pas de manger sur la table. Tu peux pas manger. Tu peux pas manger. Donc, c'est ça. Je voulais juste vous faire un petit disclaimer, comme je dis. Mais c'est ça. Ça vient de tout mon cœur. Hein, de tout mon cœur à moi et Francis. Ouais! Puis, selon le budget de chacun. Puis, ce que nous, on voulait donner cette année. Puis, comme je vous dis, là, il nous manque des petites choses. Puis, c'est pas mal ça. Donc, j'ai pas vraiment de catégorie. Genre, je pense que je vais aller jusqu'à... Oh my God, Molly. T'es-tu sérieuse? T'es-tu sérieuse? Donc, je pense que je vais vraiment aller là, comme ça vient. Puis, je vais avoir une petite helper aujourd'hui, on dirait. Mais, c'est ça. Donc, je pense que les années passées, je faisais genre catégorie... maman, catégorie Francis. Tu vois, tu le show? Tu vois, tu le show, ma chère? Donc, c'est ça. Dans les années passées, je me souviens plus trop ce que je faisais, si je le divisais en catégorie ou quoi. Mais cette année, je vais vraiment aller comme ça vient. Puis, là, c'est le moment de la vidéo que tous ceux et celles qui pourraient peut-être recevoir un cadeau de mine, c'est votre moment de partir. Donc, que ce soit mes amis, que ce soit mes cousines, que ce soit ma tante, que ce soit ma marraine, que ce soit maman, papa, tout membre confondu qui pourrait faire partie de cette vidéo ici. Là. Donc, quelqu'un dans ma famille. Là. Hey, c'est Molly, toi aussi? Toi, tu fais partie de ma famille, tu devrais peut-être partir. Non, mais j'ai jamais vu colleuse, hein. Ça va-tu, mon chien? Ça va-tu? Okay, c'est ça, bien. Ça va être le temps de partir. Je vous laisse 5 secondes, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous devrez être parti. Donc, je me lance mes petits cadeaux 2023, la gang. Et premièrement, j'ai dans mes mains une petite tasse de Noël de chez Gold Art Club. Et pour vrai, je l'adore. Tu sais, vous savez, là, ce genre de tasse-là, là, avec des dessins et tout. Il y a tout plein de compagnies là, qui font ce genre de verre-là, de création-là, là, peu importe. Mais ceux-là de Gold Art Club, c'est tellement genre comme
c'est bombé, tu peux les mettre dans la vaisselle, je trouve vraiment que c'est comme de bonne qualité. Donc ça, c'est vraiment une belle idée cadeau. Donc je vais aller dans les idées, je vais vraiment aller dans ce que j'ai acheté, puis je vais... Ça va être un peu mélangé, mais c'est un peu comme ça que je suis, là, donc j'espère que ça va être correct. Donc c'est ça. Ça, ça pourrait faire une super belle idée cadeau pour peu importe qui dans votre quotidien. Et je continue dans le même élan avec une tasse de Noël. Je connais personne qui aime pas les tasses. Puis, on dirait à chaque année, on est comme, hey, je m'achète-tu une nouvelle tasse? Je m'achète-tu pas une nouvelle tasse? Mais en même temps, quand tu la reçois en cadeau, c'est pas toi qui l'as acheté, c'est comme, c'est parfait. Et à chaque année, il y a les plus belles tasses du monde de Noël au Marshall. Donc, voilà. Sinon, là, je vais encore dans une idée. Là. Ça, c'est deux choses encore pour des idées. C'est pas quelque chose que j'ai acheté là, personnellement. Ici, j'ai les parfums de dossier. Donc, vraiment une belle idée cadeau, vraiment abordable. Si vous savez que quelqu'un dans votre quotidien utilise un tel parfum, ben dans le fond, c'est... je vous ai déjà parlé de cette compagnie-là. Là. C'est comme des dupes. Donc, vraiment moins cher. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Belle idée cadeau. Puis, un produit que j'ai utilisé à maintes et maintes reprises en 2023 et même en 2022, un produit que j'adore genre dans mon quotidien, c'est les shower steamers des cousines. Donc, c'est dans le fond, c'est comme, c'est genre une bombe de bain, mais pour mettre dans la douche, puis comme quand c'est la saison de la grippe ou juste comme quand tu veux être cozy, tu mets ça genre dans le bas de ta douche, comme sur une étagère dans ta douche. Là, des fois, c'est un petit coin là, dans ta douche. Genre, ça fait juste comme évaporer. Moi, je prends tout le temps à la lavande ou à l'eucalyptus. Puis, c'est juste merveilleux. Donc, ça, c'est une belle idée cadeau. Dans le fond, tout ce qui se retrouve chez les cousines, c'est une très belle idée cadeau pour peu importe qui dans votre quotidien. Sinon, là, je vois les choses là. Je vois aller, genre, maman, papa, parce qu'on dirait que c'est comme les choses qui est là de ce côté-là. Et je trouve ça tellement une belle idée cadeau. Un jeu de société, dans le fond. Francis et moi, cette année, on s'est redécouvert une passion pour un jeu que j'avais. Ça me fait, à chaque fois qu'on joue, ça me fait rappeler des beaux moments, genre avec ma mamie puis notre famille à notre chalet familial. Là. Quand j'étais jeune, on jouait tout le temps ça avec les menons à mon père, les ma tante et ma mamie. Puis ça s'appelle Romeo, dans le fond. Donc, Romy comme ça. Ça ressemble à ça. Ça, c'est le mien, là. Dans le fond, lui, à mon père, il est au magasin Francis, là. Je suis pas allée le chercher encore. Mais dans le fond, un jeu de société, ça pourrait être n'importe quel. Donc, vraiment une belle idée cadeau, que ça soit pour vos parents, votre amoureux, votre amoureuse, des amis, peu importe, tu sais. Donc, c'est ça pour mes parents. Ça va être un beau jeu de remis pour apporter au camp. Donc, vraiment une belle idée. Et pour continuer avec mes parents... Ça va être pour mon père, mais dans le fond, ça va être pour ma mère aussi, là. J'ai pris ce beau bol-là, dans le fond, au Marshall, quand je suis allée à Moncton. Puis, c'est un beau bol de bois. Puis, sur le côté, je sais pas si vous voyez, par là, je suis quand même loin, puis je sais pas à quel point ça focus, là. Mais c'est comme des belles têtes, genre, de d'orignal, de chevreuil, ou peu importe, là. Mais je trouvais ça trop beau, genre, pour le camp, que ça soit pour comme un centre de table, ou pour genre un bol de chips ou peu importe là. Donc je suis certaine que mes parents vont aimer ça. Pour continuer avec mon père, grâce à mes réseaux, je veux pas, des fois je reçois des colis. Puis il y en a que j'adore, puis il y en a que je sais que je vais moins utiliser, mais que j'accepte d'avoir quand même parce que je sais qu'il y a des gens dans mon quotidien qui vont être contents. Puis d'ailleurs, je viens de recevoir un colis assez festif de la boisson NSC, là, sur dans le fond le cognac. Puis je sais que papa aime ça, donc j'ai eu un beau kit avec des verres genre de la marque. Donc je vais lui offrir ça aussi. Puis j'étais tellement surprise quand j'ai su à quel point cette petite bouteille-là était dispendieuse ou comme... Je me sentais vraiment reconnaissante de pouvoir offrir ça à mon père. Donc là, je vous montre de la boisson, mais inquiétez-vous pas, hein, on consomme de manière, comment on dit ça? Faites attention à votre consommation. Je vous invite pas à boire en grande dose, mais avec modération, hein, dans le temps des fêtes.
Ça fait pas tant. Mais c'est ça. Donc, une bouteille de Hennessy pour mon papa, pour mettre à son camp. Je suis certaine qu'il va être content. Donc, ça peut être un beau cadeau aussi, que ça soit pour n'importe qui là, que vous pensez. Exemple, moi, mes besties, on adore se faire des extra dirty martini ou des espresso martini. Ou, tu sais, je pourrais faire comme une boîte avec des choses pour mettre dedans. Mais c'est pas ça que je m'enligne là-dessus cette année. Mais je veux dire, tu sais, si vous connaissez quelqu'un qui capote sur les Bloody Caesar, mais vous pourriez faire genre une boîte avec plein de choses, genre plein de produits pour en faire ou tu sais quoi que ce soit là, puis t'es de regarder pour des options plus comme artisanat. Tu sais, là je pense exemple chez nous, par chez nous au Cielo, il y a genre des cornichons faits maison, des épices, des gelées, tu sais, comme pour faire comme un beau kit. Là après je pense au magasin genre les saucisses à Robert, mon mononcle, tu vas chercher comme un beau smoked meat, tu sais, comme faire un ciseau funky. Je lance en l'air, on dirait les idées viennent tout seules, mais c'est ça. Donc la personne que vous connaissez, genre faire un kit avec sa drink préférée là, pour les choses pour la faire. Ça, c'est une belle idée. Sinon, si je continue avec mes parents, là, c'est pas celui-là, ma mère. Là, je l'ai commandé. Dans le fond, il s'en vient. C'est assez drôle parce que oh, t'es belle. Depuis que je suis jeune, genre, ma mère, c'est Maman Noël, tu sais. Maman a tout le temps, comme, de ce que je me rappelle, là, changé les batteries. Je sais pas combien de fois, genre, par semaine, tellement que, tu sais, nous autres, on décore pour Noël dans le mois d'octobre, là, tu sais. Donc, les batteries, ma mère en passe. Puis, l'année passée, Francis, il dit, hey, j'aimerais ça, acheter ça à ta mère. Il dit, c'est un kit, genre, de batteries, comme une affaire, mettre des batteries dedans. Là, je suis comme, ben là, non, maman va pas utiliser ça. Finalement, Francis a montré ça à ma mère. Ma mère a capoté, genre, cet automne. Donc là, finalement, on va lui en acheter un. Ben, il s'en vient, là. Et puis, Francis sait pas où acheter ça. Il a déjà essayé au Canadian Tire. Il est déjà allé au Walmart parce que Francis aime beaucoup plus, ben, on aime, là, beaucoup plus encourager les magasins, là. Mais, tu sais, même si c'est Walmart, une grosse compagnie, même si Canadian Tire, une grosse compagnie, c'est quand même, genre, des magasins de la région, là, on va dire. Mais on n'a jamais trouvé. Donc là, on l'a acheté sur Amazon. Puis, dans le fond, c'est comme une boîte, une mallette, une valise. Et puis, on a vraiment juste écrit genre boîte à batterie. Puis, ça vient comme... Là, il y a une coupe de batterie dedans, là. Mais ça vient vraiment comme... avec un foam, puis il y a plein de trous, genre, avec des batteries, puis c'est vraiment comme pour les ranger, dans le fond, à la place que comme t'as plein de kits de batteries d'ouvertes, là, tu mets ça un petit peu partout, là, c'est déjà tout, tu sais, comme installé. Puis quand il n'y en a pas là-dedans, ben, tu sais que tu n'as besoin, ou peu importe. Donc, c'est un bel... une belle idée, je trouve, pour quelqu'un qui aime les batteries. Ou quelqu'un qui aime être organisé ou peu importe, là, je trouve ça vraiment nice. Donc finalement, à un moment, je suis certaine qu'elle va être contente au bout. Sinon, je continue avec mes parents, là, veux pas. J'ai aussi des choses qui au magasin, genre des décorations là, que je vous montrais pas. Ben, je dis tout le temps à maman de se mettre des petites choses de côté. Pour qui en haut là, dans le fond là, à notre magasin, puis elle s'est choisie genre un sapin puis une plante, je pense. Donc elle va voir ça aussi. Sinon, je lui prends toujours comme une bougie du Bath & Body. J'aime aussi lui prendre une belle bougie genre d'une petite compagnie plus par ici, Ritual Company, Ritual by Jolene là, avec qui j'ai collaboré là, pour mon et mon vlogmas, mes 2 jours de Noël, là, je devrais dire, sur Insta. Donc, il y a cette compagnie-là. Il y a Pure, une compagnie de genre Caraquette, Mountain. Et sinon, oh, je vais aller mettre mon leader. Quand je parlais des compagnies de chandelles, là, j'ai le nom qui m'échappe, mais un magasin de mon coin, c'est Catherine & Company. Puis, ils vendent les chandelles. Ça m'échappe, là, comme je vous dis, c'est Bake... quelque chose comme ça. C'est une compagnie du sud, là, du Nouveau-Brunswick, si je me trompe pas. Des belles chandelles aussi. Donc, c'est ça. J'aime tout le temps acheter des Bath & Body parce qu'on dirait que c'est comme la nostalgie. Puis celle-là, Tree Farm, sent tellement bonne, là. Ça sent la forêt de sapin de Noël.
J'ai pris celle-là pour maman parce qu'il y avait un beau camion rouge, là, comme qu'elle aime. Mais c'est ça. Comme je vous dis, j'aime encourager des compagnies plus locales aussi, là, niveau chandelle. Pour ma mère aussi, au Bath & Body, j'ai pris des choses comme un... Je pense qu'il y en a un déjà, mais elle n'a pas de Noël. Ça, on pourra le mettre pour continuer l'hiver ou pour l'an prochain, là. Dans le fond, je sais pas si vous pouvez... ça va zoomer jusqu'à là. Je vais essayer de le mettre comme dans le beige. Vous pouvez pas vraiment voir, je pense que je suis trop loin. Mais c'est comme pour mettre... c'est comme un sans-bon là, pour l'auto. Vous avez sûrement vu ça, là. Si vous êtes déjà allé au Bath & Body, ça vient avec comme... des petits cercles comme ça que tu insères à l'intérieur, puis dans le fond c'est comme un, ça parfume l'auto là, ça sent bon. Donc je trouvais trop beau lui, c'est avec des feuilles de gui là. Donc je suis certaine qu'elle va être contente pour mettre dans son auto. Sinon pour les parents, tu sais, tout le temps, genre pour mon père, tout le temps des grosses paires de bas, ça peut être un chandail, une paire de pantoufles, des mitaines, des gants. Et ma mère, j'aime aussi, comme ça, sa fête, je lui avais acheté un certificat pour un soin esthétique. Et elle avait adoré, donc ça peut être des idées comme ça. Si quelqu'un dans votre famille, vous savez qu'elle a des soins ou qu'elle va se faire des soins, comme moi, exemple, je vais faire mes ongles, tu sais, à chaque mois. Et ben ma mère, on dirait, elle m'achète tout le temps un certificat pour les ongles. Donc, tu sais, quand tu sais que la personne a un tel soin ou, tu sais, les cils, peu importe, là, son esthéticienne, un massage... des certificats comme ça, là, pour comme self-care, là, c'est tout le temps le fun. Donc, ça peut être ça aussi. Côté maman, ma tante, j'offre aussi cette année des produits de Maison Lavande. Ça peut être cousine, amie, toute, éducatrice, enseignante, amie de la famille, cadeau d'hôtesse. Moi, je pourrais donner du Maison Lavande à tout le monde, la gang. Je suis obsesse. Je pense pas que j'ai vraiment besoin de vous faire un dessin à quel point je les apprécie. Mais genre, c'est juste que je les aimais avant, mais même depuis comme mon bachelorette, genre, on dirait que je les aime encore plus. Comme, c'est tellement des beaux humains, c'est tellement comme, tu sais, c'est familial, comme... Marjo, Florence, comme les sœurs, comme ils sont tout le temps sur les réseaux, puis ils sont tellement vrais, puis ils sont tellement des belles personnes. Je sais pas. So, même si, là, c'est, on peut dire, c'est une grosse entreprise, je veux pas Maison Lavande, mais c'est quand même, genre, tu sais, c'est familial, ça vient du cœur, tout qu'est-ce qu'elles font, genre, qu'est-ce qu'ils font, je devrais dire, c'est magnifique. Donc, Maison Lavande, là, dans mon cœur, tous les produits. Mais là, dans le temps des fêtes, je trouve que cèdre et lavande se donnent beaucoup. Genre, se donnent bien, genre, sauf bien. Bois d'eucalyptus sauf bien. Mûre et lavande, genre, si quelqu'un est plus comme fruité, la mousse de bain, mûre et lavande, les bombes de bain, la poudre lactée, tout, n'importe quel produit de Maison Lavande, c'est tellement... des belles, des cadeaux, genre, à donner à n'importe qui, genre, dans votre famille. Je pourrais jamais assez le dire, là. J'adore. Petite gorgée, je parle trop. Sinon, si je continue avec compagnie québécoise, compagnie en Nouveau-Brunswick, si je peux dire, puis d'une autre compagnie que je parle beaucoup, les produits Omi. Là, j'ai pas reçu les kits, là, mais j'ai commandé 3 kits de Noël. Non, 2, 3, je me souviens plus trop. De nettoyant, genre, je me souviens plus du nom, mais c'est le kit de Noël, genre, avec le nettoyant pour le visage. Je pense qu'il y a l'huile dedans. En tout cas, c'est vraiment un beau petit kit. Puis, il était pas si dispendieux que ça, genre, pour qu'est-ce qu'il y avait dedans. Puis, ça, j'ai acheté ça pour mes cousines, dans le fond. Puis, c'est en cause que mes cousines sont drôles. Ils disent tout le temps, genre, comme, ah, oh, moi, j'aimerais ça avoir comme du skincare. Ou, ah, oh, moi, j'ai des boutons, je sais pas quoi faire. Mais commence par de laver la face, cocotte. Comme, mets-toi de la crème. You need to put some cream. Mais, c'est ça. Donc, là, je vais les setter, là. Puis, je vais setter aussi ma petite nièce. Et j'aimerais lui acheter, c'est ça qui me manque. Il me manque un petit kit, là. Mais elle est quand même jeune, là. So, j'aimerais lui pogner comme un petit kit, genre, de Avène ou... c'est des beaux à la pharmacie, là, il y a souvent des beaux ensembles cadeaux, là. Donc ça aussi, c'est une belle idée. Mais bref, donc j'ai commandé des choses avec Omi, là. Ça, c'est
une boîte à moi, là, mais juste pour vous donner des idées, genre des produits, des soins pour la peau. Moi, je connais pas personne qui aime pas recevoir du skincare, là. Puis que ce soit pour tout âge, là, ça peut être n'importe quoi. Un nettoyant pour le visage, c'est bon comme pour tout le monde. Donc, tu sais, va pas commander une crème personnalisée si tu connais pas les besoins de la personne, là. Mais tout autre produit, genre crème à main, crème pour le corps, un nettoyant, l'eau d'aquifère, c'est comme un must, genre, dans ma vie. Et donc, plein de belles idées pour Romy. Si je continue avec une belle idée cadeau, genre de petite entreprise que j'adore, hors NB, si je peux dire. C'est Aura, donc ma belle cam, qui fait les plus beaux jeux de discussion du monde. Cette année, j'ai acheté le jeu de connexion pour quelqu'un. Je le dirai pas si jamais vous passez ici. Mais c'est ça. Donc, c'est les amoureux, les amoureuses. C'est tellement des belles questions. Tu sais, des fois, Francis et moi, on va juste manger, on va écouter un film, on va s'en poser quelques questions, genre à ton avis, quelle est la plus belle chose que j'ai faite pour toi? Tu sais, des choses comme ça, puis après, ça te permet juste de prendre du temps, puis vraiment de jaser, puis vraiment de remémorer des beaux souvenirs, ou quand même d'aller comme plus comme deep talk. Puis il y en a pour, il y en a de réflexion seule, il y en a pour jouer ensemble. Vous savez, là, moi puis mes girls, on joue quand même souvent quand on a des girls night. Et cet été, on s'était fait un beau pique-nique. Donc ça, encore une fois, belle idée pour ton partenaire, pour des amis, pour quelqu'un genre comme... Tous les cadeaux, dans le fond, sont bons pour n'importe qui, là. C'est juste que là, je donne des idées comme ça, là. Mais gros coup de cœur pour Cam. Si je continue niveau amis, là cette année j'offre à mes girlies des beaux livres. Donc là j'espère les girls qu'ils sont pas achetés là, mais je pense pas. Donc le nouveau livre de Cass Wagnon, Guérette elle les a déjà toutes, puis il manque lui. Anna, je pense pas qu'elle les a, mais je voulais lui faire comme à la place d'acheter lui. Je voulais faire comme peut-être acheter un, deux ou un, deux, trois, dépendamment comment c'était, là. Des fois, quand les livres sont plus anciens, là, des fois, ils sont comme un petit peu moins dispendieux au Walmart. Donc, je voulais comme lui acheter les trois, là. Mais, je les ai pas trouvés. Donc, je lui ai pris celui-là pour commencer avec. Donc, je l'ai pogné pour mes girls. Donc, j'achète tout le temps qu'on dirait des affaires pareilles. Puis là, après, ça comme genre s'incline de différentes façons, là. Donc, Anna Guérette, les autres choses, je les ai pas avec moi présentement, là, mais Anna avait mentionné, genre, qu'elle voulait comme un bandeau, là, de skincare. Et Guérette, je sais qu'il y a des produits chez les cousines qu'elle aime, donc, tu sais, c'est pas mal ça, là. Girly girl, self-care, puis des petits produits, là, qu'on aime. Donc, il est vraiment beau, là, en passant, là. Donc, un livre de cuisine, un livre, si vous savez, genre, que quelqu'un dans votre entourage aime un tel, comment dire, auteur, ben, ça pourrait être une idée de lui prendre un livre de cet auteur-là. Sinon, quelque chose que j'achète toujours à ma mère, à mes amis, là, cette année, à ma cousine, c'est un abonnement à 515, donc le magazine. Ça, moi, je l'ai depuis des années, depuis ma marraine. Puis, de ma marraine, je veux dire, de la part de ma marraine. Puis, je l'adore. C'est tellement le fun. On dirait que c'est une petite surprise à chaque mois de l'année. Puis, il y a tellement des belles idées. Puis, c'est comme rapide. Donc, ça. Sinon, côté... la mère à Francis, elle aime tellement nous recevoir. Donc, pour elle et sa sœur... j'ai des choses de cuisine, genre, je les ai pas avec moi, là, donc ça peut être des belles idées, que ça soit des pannes, que ça soit des choses à biscuits, que ça soit comme des articles pour présenter, genre, planche à charcuterie, tu sais, il y a tellement des belles idées, là, pour des choses de cuisine, oui, on a juste, on n'a pas 1000 garde-robes dans notre maison, mais moi, j'ai l'impression que quand tu le reçois en cadeau, tu trouves la place n'importe où pour des articles de cuisine. Mais c'est ça, ma belle-mère, elle aime tellement nous recevoir. Donc là, j'ai pensé, puis elle aime tout le temps faire des thèmes, là. Si vous me suivez, ça fait longtemps, vous savez, là. Mais je sais pas ce qu'elle avait une nappe, genre vraiment de tissu de Noël. Je la trouvais belle, je la trouvais comme cute. Je trouve qu'elle me faisait penser à ma belle-mère. Donc, des petites, genre des branches de gui, genre, ou des branches, on dirait, de camberge, de Noël. Donc, vraiment cute. Sinon, si je vois encore, genre,
ma tante, belle-maman, cadeau d'hôtesse, peu importe. Oh, mon livre. Je suis de retour avec ça, mais là, la gang, pas vous mentir, j'avais fini de filmer la vidéo jusqu'à temps que ma caméra fait comme un écran noir et ça dit que comme ça n'a pas enregistré les clips que je viens de dire. Donc là, je vais me répéter. J'ai comme, ça a comme brisé mon élan, mais la dernière chose que vous avez vue, je pense que j'étais en train de parler de ceci. C'est ça. Donc, dans le fond, une bouteille encore un peu comme la petite bouteille que j'ai parlé pour mon père. Ici, j'ai eu la chance de collaborer avec Crème à glace. Donc, vous aurez peut-être vu ça là, sur mon Insta. Dans le fond, je vous ai déjà montré ça quelques fois en stories. Là. C'est tellement nôme. C'est un peu comme un Baileys, puis c'est québécois. Donc, encore mieux. Puis c'est ça, donc c'est une boisson alcoolisée à la crème. Donc ici c'est à la vanille, moi j'adore à la pistache. J'ai jamais goûté le naturel. Et celui-là je vais l'offrir en cadeau. Je vais faire profiter les gens que j'aime. Mais j'ai gardé celle au chocolat, puis je l'adore. Vous pouvez le servir sous glace, vous pouvez le mettre dans une recette. Vous pouvez le faire mousser genre dans votre lait pour votre café, genre un petit café coquin, dans des espresso martini. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'était très noir. Donc, c'est ça, une belle bouteille à offrir, c'est tout le temps apprécié. Je pense que j'allais après avec mes cocottes. Donc là, j'ai comme tout plein de petites choses de girly girl. Ça donne que les trois cocottes dans nos vies, 3-4 cocottes, c'est toutes des choses genre de skincare qu'ils voulaient cette année. Là, j'ai pas tout avec moi. J'ai pas tout apporté. Là. J'en ai encore dans la chambre, j'en ai chez ma mère. J'ai quelques petites choses qui me manquent pour la plus grande des cocottes. Mais c'est ça. Donc, tout plein de choses pour prendre soin d'elle. Je trouve ça trop cute. On dirait que c'est de plus en plus la mode. Là. Moi, j'ai les amis à l'école qui me disent « Madame Mylène, tu fais-tu du skincare, toi? » Je sais comme si tu savais. Mais c'est ça. Donc, un petit bandeau, genre, pour mettre sur leur tête pour quand ils se lavent le visage ou quoi que ce soit, faire un masque. Je trouve ça trop mignon. J'ai trouvé aussi des masques Molly Boudreau. Donc, je trouve ça tellement mignon. J'ai aussi des masques que j'ai achetés au Marshall. C'est des masques de Minnie Mouse. J'ai aussi des choses de Grinch. C'est comme du baume à lèvres, des bombes de bain. Il y a vraiment des beaux kits là, pour le temps des fêtes. Sinon, j'ai pris des petites pinces comme ça pour les cheveux, genre toutes brillantes. Puis, encore une fois, au Marshall, des petits kits comme ça, là, je sais pas si vous allez bien voir, là, mais il y a des petites choupacs, moi j'appelle ça des choupacs, là, des pantoufles de licorne, il y a des vernis à ongles, il y a des petites choses pour comme écarter là, les orteils, des limes à ongles, vraiment mignon, là, un beau petit kit girly girl. Puis pour aller avec ça aussi, je suis comme retournée en enfance quand je suis allée à Moncton. C'est ça que Molly sent. Molly, ça sera un nom. Ça va être un nom. pas le choix de faire de l'autorité. Je suis retournée en enfance au Lush. Et donc ici, j'ai pris une petite boîte là, déjà toute emballée. Là. J'en ai acheté quelques-unes. Là, j'ai une bombe de bain avec un gingerbread. Puis j'ai un gel de douche qui est comme brillant. Donc, je trouvais ça cute. Donc, ça fait une belle idée. Donc, toutes des choses pour le bain, des choses pour le corps, des choses pour prendre soin de ça. Là. Soin de soi. Désolée. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça sent pas si bon, là. Soin de soi. c'est bon pour tout le monde, je trouve. Puis, mine de rien, je pense que c'est ce que j'avais sur la table. Comme je vous dis, j'ai d'autres choses, là, puis j'ai des choses qui peuvent arriver encore. Francis et moi, cette année, on se fait pas vraiment de cadeaux. J'ai des petites pensées pour lui, genre des pensées nécessaires. Je veux pas, on part à Disney le 1er janvier. Donc, c'est direct dans le temps des fêtes. C'est beaucoup de sous, donc on garde nos sous pour s'enjoyer au max là-bas. Donc, j'ai quand même des essentiels. Genre, lui, son plus grand souhait, c'est d'avoir des bas, des boxers, des petits chandails. Donc, j'ai pogné quelques chandails pour lui.
Sinon, c'est ça, lui, c'est les attentions au quotidien, là, genre, j'y mets des petits chocolats de temps en haut dans son boîte Noël, puis il les trouve, puis il est content. Sinon, des belles idées cadeaux, ben, ça peut être n'importe quoi là, pour votre amoureux, votre amoureuse. Francis aussi, je voulais lui faire faire, là, c'est juste à pas donner. Mais pas que ça pas donné, c'est que j'y ai pas pensé. Mais ça serait des belles idées au futur là, pour quelqu'un si jamais vous aimez ça. Là, mais mes cousines avaient fait faire, puis je voyais ça sur TikTok, là. C'est des sweaters personnalisés dans le fond de comme de broderie. Puis c'est genre comme Nike ou comme Adidas ou comme tu sais, les marques qu'on connaît tous là. Mais c'est comme personnalisé avec des personnages de Disney. J'ai complètement oublié. Je voulais en faire faire chacun un pour Francis et moi. Mais et ça va pas arriver là, à temps là, pour Disney. Donc je nous les ferai faire à un autre moment donné. Sinon, ça peut être un album photo. J'y avais pensé aussi. Mais je vais attendre pour la Saint-Valentin. Sinon, juste des photos en général là, pour ma famille. Et je vais faire développer des photos de mariage. J'ai comme pas fait ça encore. J'ai fait quelques albums comme pour ma mère puis ma belle-mère. Mais genre les mamies. Ben j'en ai fait pour ma mémé. Comme une là, de chaque. Mais là, ils en veulent plus. Donc ça, c'est une belle idée aussi que vous pouvez faire. Moi, ma belle-sœur, une idée que j'adore, qu'elle fait chaque année pour ma belle-mère. Là, on va vraiment dans les idées là, de ce que je pense, puis qui vient juste comme ça. Elle fait à chaque année un calendrier avec des images qui s'est passé durant l'année de sa famille à elle, de ma famille, tu sais, mon Francis Molly, de mes beaux-parents, tu sais. Elle met comme des beaux souvenirs de comme toute la famille en général. Ça fait tellement cute. Puis à chaque fois qu'on va là, après, ben, on voit ça, là. Donc, c'est pas mal ça, ce que j'offre, mes idées. Je vous ai parlé des certificats cadeaux. Puis, tu sais, même si vous dites, oh, ça me tente pas d'acheter un certificat cadeau, genre pour n'importe qui, là, mais c'est le fun, là. Que ça soit une carte cadeau pour un magasin ou un soin, comme moi, j'adore recevoir une carte Sephora, une carte Maison Lavande, une carte n'importe quoi, là, tu sais. Marshall, une carte. Je sais pas quel magasin, là, ça peut être tous les magasins que vous voulez. Comme les cousines, ils ont des cartes cadeaux aussi, ça peut être une idée. Ça peut être des entreprises que vous aimez. Molly! J'ai essayé de caler Molly, là, mais on dirait que je sais pas, ça va commencer, là. Mais j'ai trouvé ma liste vite fait que j'avais envoyée à mes amis, là, parce que des fois, on se demande des idées, là, peu importe. Des certificats pour des soins, comme je vous ai parlé tantôt. Des glosses, genre mon Maybelline que j'ai tout le temps. Des huiles Clarins. Des bijoux, comme je vous ai dit. Des pyjamas, des livres. Si tu veux vraiment comme splurge, ça veut dire si tu veux vraiment comme dépenser. Genre, exemple, si le Père Noël arrive avec un cadeau demain ou comme. Si hier on avait gagné le 5 points, non, c'est 4,7. La semaine prochaine, ça va être 5,1. 4,7 millions. J'aimerais avoir des AirPods Max. Les gros AirPods, là, comme. Je dirais que je me promènerais dans l'aéroport, là. Puis j'écouterais genre ma musique. Tu sais, comme ça. Sinon, des produits de Maison Lavande. Des sweatshirts confo. Je vous ai parlé de ça tantôt, je pense, des H&M. Du shampoing, je vous étudie ça avant que Molly jappe, je sais pas. Des chandelles. Des sneakers. Genre des sneakers Nike. Des masques, des verres à café glacé. Des gloss de Summer Friday. Des boucles d'oreilles. Là, on niaisait. Là, mes amis, j'étais comme garder ma liste. J'aimerais avoir des boucles d'oreilles Chanel, une sacoche Chanel, une sacoche Prada, une sacoche YSL. So, comme, moi, je me fais toujours une liste de Noël, comme réelle, comme réalistique, un peu. Là, ça dépend de quelle réalistique vous pensez. Puis, une liste de cadeaux de Noël, genre extra. Tu sais, dessus, j'ai une coccinelle, décapotable. Tu sais, j'ai toutes sortes d'affaires comme ça. Un nouveau sofa, une chaise berçante. Moi, j'ai des listes à l'infini, la gang. Donc, ma wish list est comme un petit peu cocasse, là.
Mais c'est ça. Moi, je suis. Puis, autant que je fais une liste qui fait pas d'allure, autant que j'adore, genre, des tasses de Noël, des petites affaires mini-mini, les petites attentions. Moi, comme je vous dis tout le temps, les belles choses sont dans les petites choses, là, dans le fond. Mais c'est ça. En gros, vous me connaissez pas mal, là. Tout qu'est-ce qui est le self-care, qu'est-ce qui est comme cocooning, tout qu'est-ce qui est comme cozy cute, le fun, tu sais, home déco, toutes ces choses-là. Donc, c'est pas mal ça, la gang. J'ai probablement oublié des choses. Je m'étais comme pas préparée à l'avance. J'avais du temps, puis je me suis dit, go, on filme ça. Mais j'espère que ça vous aura donné des idées, peut-être. Je serais curieuse de savoir ce que vous, vous avez sur vous. Je pense que c'est pas mal ça qui conclut la vidéo, la gang. Je sais pas si jamais ça vous a aidé ou juste si ça vous a diverti un petit peu ou ça vous a fait passer le temps ou même si vos cadeaux de Noël sont tous complétés, ça peut être pour des cadeaux de fête ou juste comme des listes plus tard ou peu importe là. Puis, donc j'espère que je vous ai donné des mini idées. Puis moi, je serais curieuse de savoir ce que vous, vous avez sur votre wish list dans le fond ou ce que vous aimeriez vraiment avoir ou un cadeau que vous avez acheté que vous êtes vraiment fière de vous, comme de t'avoir trouvé, tu sais. Mais ouais, donc c'est pas mal ça pour mes cadeaux slash idées 2023. Donc sur ce... Chin Chin de Bubbly de Noël et je vous revois demain dans un prochain vlog la gang. Bye! Hello la gang! Ici Mine du futur. Je suis en train de faire le montage. Ben, j'étais en train de faire le montage et j'ai réalisé que je vous ai pas parlé du spin! quelle belle idée cadeau! Là, je recule juste dans ma cour, là, c'est pour ça que je vais vous parler. Mais si jamais vous avez un studio de spin dans votre région, demandez genre des spins en cadeau, de la merch de votre studio de spin. Ou genre, si vous êtes dans la région, encore plus du Excite, on s'entend. Mais j'avais complètement oublié, on dirait, mais Live Love, le Excite. Dans ma vie à moi, c'est le concours du jour sur Insta, donc c'est pour ça que j'ai pensé. Puis... le magasin, je veux pas le pétro, là, j'en ai parlé dans la vidéo, là, les plantes, j'ai dit le jeu, puis tout ça, mais dans ma tête, on dirait que ça se fait tellement automatiquement. Mais si jamais vous cherchez des cadeaux pour tous les goûts, il y a vraiment de tout. Je suis Boudreau, donc c'est ça, ma petite plug de publicité du magasin, mon nom, mais c'est juste, on dirait que j'en parle juste couramment, puis dans ma tête, c'est comme on dirait que tout le monde connaît, mais non, là. Mais il y a des cadeaux pour tous les goûts. Du linge de travail, des scrubs, des décos, n'importe quoi. Donc sur ce, je ferme la parenthèse et je vous laisse continuer le reste du vlog, de la vidéo ou que je vais avoir inséré ça à la fin ou je sais pas trop. Mais sinon, si c'est à la fin, je vous dis un autre bye bye!